213. Elisa? Where did everybody go? Oh, y'a un code ici. There's no power. It won't work. Oh! Call 62-131. Modèle 176. Ok, c'est un modèle 176 et il faut téléphoner au 62-131. Est-ce que je peux téléphoner d'ici? Parce que j'ai vu un téléphone là. 62-131. Ah merde, mais putain de téléphone de mort! Du coup, il faut que je retourne au salon. 62-131. It would be best if I just told him I don't work with crybabies. They completed their chores. In order to factory reset your save, insert the following code. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Ok. 3, 2, 1, 4. The only one who actually gets any work done around here. Ouais bah oui bah je sais. Je peux pas. Initialise, putain. Ah mais on peut rien faire en fait. La tête à ma mère, la tête à ma mère. La tête à ma mère. Ou alors là, ou alors là les gars. Oh, j'ai eu trop peur. Ah, j'ai eu tellement peur, putain. Oh, le sursaut de fou furieux qu'il m'a fait lui. Putain, putain de truc d'électricité. Aïe, putain. Ouais, frère, plus jamais, hein, ma soeur. Oh, mais frère, ferme ta gueule. Oh! C'est... Câble électrique. Ok, rebrancher le courant. Déverrouiller le coffre de la chambre 213. Accéder au balcon. Au balcon. Ouais, mais je peux pas en fait déverrouiller la chambre de, le coffre de la chambre 213 parce que ça veut pas que je déverrouille le coffre. Oh non, what could the code be? Bah oui, 176 @. You're the vice model. Enfin. Yes, yes, yes. Oh putain, yes, enfin, bordel de Dieu. I shouldn't have encouraged Lynn to take part in the contest. Monter jusqu'au sommet de la gloire, concours de talent pour les jeunes acteurs, compositeurs, interprètes. Putain, ça avait bugué. Hein. C'est quoi? Une clé papillon? Oh God, I'm freezing. Je croyais qu'elle était. To reach it.
Ok. C'est bon comme ça? Ah, il faut encore que je fasse. Oh putain! Allez! Ok, je suis où exactement? Et chez des corbeaux. Dear Jennifer. What are all these cages doing here? Le miroir. Come here. I won't hurt you. La tête à ma mère. I'm counting to three. One, two, two and a half. Ready or not, here I come. Mais juste là, en fait, cette pute. Come here. I won't hurt you. Felton? Filthy Gallo. So, this is the real reason why Rosso Gallo closed its doors. Dying like that, painfully. It would have been the same for any other person, especially after everything they went through. 13 décembre 1971, la tragédie de la ferme Rose Gallo continue. Après la suspension d'activité de la ferme Rose Gallo pour cause d'enquête criminelle... Ferme ta gueule, Andrea! Merci. Suite à l'empoisonnement malveillant des nonnes du couvent qui logeaient par un parasite extrêmement dangereux, la tragédie continue. Martha Ashman est décédée ce matin quelques jours seulement après son époux, pardon, Boris Ashman. Madame Ashman serait décédée de cause naturelle. Le couple avait dit tout ignorer sur les expériences horribles menées par leur associé Felton et Gallo, qui se convaincrait de créer un prototype encore plus efficace qu'un dangereux médicament, le phénoxyle. Ces expériences étaient... Ferme ta gueule, bon sang, putain, mais c'est dingue ça de pas fermer sa gueule comme ça là. Ces expériences étaient menées en secret car par le professeur A.E. Wiman, qui s'est suicidé le mois dernier. Il ne reste que le fils aîné Stefano pour perpétuer la ligne des Ashman. Sa sœur Gloria, une nonne n'ayant pas survécu à l'incendie ayant ravagé le couvent Cristo Morente, et la plantation quelques jours seulement après la publication du rapport de contamination. Ah, enculé de patate. Allez, allez. Calm down, calm down. Everything is fine. Mommy is here. Ah vache! Ah m'a trop fait peur m'a trop fait peur ce fils de pute là de l'autre côté de son putain de miroir là. Mais viens faire le bonhomme. Oh. Bon alors là par contre. I'm so tired. Mommy is exhausted. One of these days we're all going to make me crazy. C'est une putain de blague. J'ai l'impression d'être dans des BD, frère.
Wesh! J'ai un couteau! Oh la vie de ma mère. Non, je suis dans la merde. Attaque effectivement les trackers. Si vous parvenez à vous approcher suffisamment pour vous faire repérer, vous pourrez l'attaquer. Frappez-le suffisamment pour faire chuter au sol durant un certain moment. Durant un certain temps, utilisez ce temps à votre avantage. Peut-être que comme ça, vous mettrez la main sur les clés. La vie de ma mère, je fais pas ça. Non mais... Ils croient que quoi? Putain, je suis blessé, je suis en sang. L'homme nu de mer. La tête à ma mère. Dis-moi qu'elle m'a pas vu, ce con. Sur la tête de ma mère, tu m'as pas vu, espèce de salope. Sur la tête de ma mère, tu m'as pas vu. Sur la tête de ma mère. La tête de ma mère. I'm so tired of all this. Ouais, bah moi aussi, je suis fatigué. Une pute. Je suis vraiment la plus grosse pute de l'histoire de l'humanité. C'est horrible. Bon, faut que je la confronte en fait. Oh la merde. Ok, j'ai un couteau. J'ai un couteau, attaque-moi. J'ai un couteau. Oh putain, mais elle tombe pas, cette queue. Allez, viens. Where do you think you're going? Jennifer. Respect your elders. Eh ben là, si tu tombes pas, ma grosse, je comprends pas! Non, mais elle tombe pas! Ah! Y'a pas un couteau, un couteau, un couteau! Ah! Un couteau! What are you doing here? Allez! Ça m'énerve! Jennifer! Oh, donne-moi tes putains de clés! Donne-moi tes clés! Non, mais c'est une blague! You
you want to play? Non mais cours par contre. Let's play then. No, that's impossible. I have to try again. J'ai plus de couteau, je crois. La nickel. C'est quoi? C'est un couteau. Prends-le, putain. Ok. Comme ça, j'ai le ciseau ici. T'as bien? Je suis prête! T'as déjà. Allez, viens, je suis prête. Bon, on va refermer ça parce que ça va me gêner, ça. Allez, viens, là, je suis là! Sale connasse. Putain, elle m'a fait peur. Quitter le deuxième étage. Faut trouver les clés. Faut trouver les... Ok. Wouah!